Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bonjour les reborn. Comment allez-vous? Bon dimanche à tous. Les sorciers sont les mêmes. Les sorciers sont les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais attirer votre attention là-dessus. D'abord, dites-moi, qui sont les personnes que vous considérez comme les sorciers? En général, quand vous rencontrez une personne qui vous met le bâton dans les roues, vous appelez cette personne votre sorcier. N'est-ce pas ça? Mais quand vous allez vous confier à une autre personne et que vous dites à cette personne en question qu'il y a quelqu'un qui vous met le bâton dans les roues, est-ce que vous êtes sûr que la personne à qui vous êtes confié là n'est pas sorcière? Est-ce que vous êtes sûr? En réalité, les deux sont les mêmes. Ce sont les mêmes personnes. Et ils font la même chose. Ces personnes-là font la même chose. La seule personne qui est la meilleure personne à qui vous devez vous confier dans cette situation, c'est Dieu. Vous devez le faire dans la prière. Vous-même, étant seul, conseillez-vous vous-même. Vous-même, étant seul, donnez-vous des conseils à vous-même. Parce que si vous voulez faire comme ce que je viens de dire, vous allez finir par découvrir que ils sont tous les mêmes. Ça, c'est un premier exemple. Maintenant, prenons le deuxième exemple. Un homme rencontre une fille et vit avec cette fille, et elle se comporte très mal, même très mal, au point où il est dessus et il décide de la renvoyer chez elle, de se séparer d'elle, et il envisage aller prendre une autre femme, pensant que cette femme, elle est meilleure que l'autre femme qu'il venait laisser. Alors que elles sont toutes les mêmes. Elles sont toutes les mêmes. À ce niveau, si tu veux choisir une femme, il va falloir choisir celle qui n'est pas une sorcière. Ça veut dire que tout commence par là. Tout commence par ici. Si vous ne voulez pas faire d'erreurs, même des erreurs graves dans votre vie, même dans tous les domaines, il va falloir déjà, dès le commencement, étudier ce cas-là. Cherchez à savoir, premièrement, est-ce que la personne avec qui vous voulez faire un petit bout de chemin, est-ce que cette personne est sorcière? Est-elle sorcière ou pas? Parce que si vous n'arrivez pas à savoir si elle est sorcière et que vous allez avec elle, vous allez être déçu. Quand la première va vous décevoir, vous allez sauter pour aller vers une autre. Elle aussi, elle va vous décevoir. Vous allez aller vers une troisième femme, puis une quatrième femme. Vous ne cesserez d'être déçu seulement. Parce que quand une femme a l'esprit de la sorcellerie, elle fait les choses que le diable lui demande de faire. Et quand elles sont des sorcières, vous allez voir qu'elles toutes, elles vont faire les mêmes mauvaises choses pour vous blesser, surtout si elles ont vu que c'est ce qui vous touche au cœur. C'est là que tu vas voir que celle que tu as laissée, on dirait qu'elle était un peu mieux que ce que tu as pris. Hein. Parce que ce que tu as pris là, ça fait pire que ce que tu as laissé. En fait, le truc, c'est que la femme que tu as laissée là et la nouvelle que tu allais prendre là,
La nouvelle femme va continuer ce que ton ancienne femme faisait. C'est une continuité dans ta destruction. Les sorciers sont les mêmes. Et oui. Et oui. Comment savoir maintenant qu'une personne a l'esprit de la sorcellerie? Par exemple, toi, tu rencontres une fille dehors. Tu n'as pas encore de femme, tu n'as personne, tu es célibataire. Et tu rencontres une femme dehors. Maintenant, cette jeune femme-là, elle te plaît. Et tu aimerais aller vers elle et lui dire certaines choses. Ok. Moi, j'aimerais te stopper là. Je te dis, stop. As-tu d'abord su quel est son état d'âme? Autrement dit, appartient-elle à Dieu ou à Satan? Parce que tu dois savoir que tout individu sur la terre a un camp. Il n'y a que deux camps. Soit tu es dans le camp de Dieu ou bien tu es dans le camp de Satan. Et c'est comme ça les gens marchent. Les gens marchent dans leur rangée. Oui, c'est comme la main gauche ou la main droite. Ouais, non. La main gauche ou la main droite. Les deux sont là, non? Tu peux choisir de manger à la main gauche ou bien tu peux choisir de manger à la main droite. De toute façon, c'est toi qui choisis ton camp. Mais toi, tu dois savoir. Est-ce que cette personne que tu veux embrasser dans ta vie là, est-ce que elle appartient au bon camp? C'est-à-dire le camp des gens qui sont gentils, les gens qui sont bien. Parce que si tu ne sais pas ça, tu ne feras que d'aller de déception en déception, d'erreur en erreur. Voici pourquoi les gens sont bloqués partout, à gauche et à droite, ils ne savent même pas comment faire pour s'en sortir. Maintenant, ce n'est pas écrit sur son visage qu'elle appartient à un tel ou tel camp. Toi, tout ce que tu peux voir, c'est son apparence. Et c'est là, je vais te dire, ne te fie pas à son apparence. C'est-à-dire la manière dont elle est habillée. Qu'elle soit habillée sale ou bien elle soit habillée propre, mon frère. Ça ne veut rien dire dans cette société, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que qu'elle aille à l'église, qu'elle soit même pasteur, qu'elle prêche même à l'église, ça ne veut rien dire. Que cette personne parle bien, même que cette personne parle de Jésus, ça ne veut rien dire. Que cette personne aille où que ce soit, dans quelle, peu importe la religion, ça ne veut rien dire. Si tu veux regarder juste l'apparence, tu seras vraiment trop déçu dans cette vie-là. Il faut fermer les yeux. Mets ton esprit. Maintenant, demande à Dieu. Qui est réellement cette personne? Mais Dieu ne va pas te répondre tout de suite. Il va juste prendre en compte tout ce que tu as dit et pousser cette personne à poser certaines actions, à prendre certaines décisions. À partir maintenant des œuvres ou des actions, des décisions même de cette personne, tu vas savoir au final dans quel camp elle est. Oui, tu le sauras. C'est comme moi, j'avais rencontré une fille. En fait, je n'ai pas rencontré, je l'ai vue. Genre, tu as arrêté quelque part, tu vas acheter un truc, puis tu la vois à distance. Moi, je l'ai vue. Je jouais même, je disais, attends, hier, voilà, la prochaine fille qui a passé ici, amène dans cette tombée sur elle. Je dis, ok, ah, bon, que si elle me suit jusqu'à dans la cité, là, je sais que vraiment, je vais m'intéresser à elle et même en profondeur, mais tout en l'étudiant à distance. En même temps, j'étais là, je me disais, mais attends, cette personne-là, est-ce que son cœur appartient à Dieu ou au diable? Parce que c'est ça la base. Si tu ne veux pas qu'une jeune femme te fasse du mal demain, il faut vérifier ça d'abord. Est-ce que son cœur appartient à Dieu ou pas? Si elle te dit, elle va à l'église, elle est catholique, elle est baptisée, elle est confirmée, tout ce qu'elle te dit là, tu t'en fous de ça. Ce sont ses œuvres et ce que Dieu te dit par rapport à
elle est son état d'âme. Donc j'étais là. Je regardais. Je fouillais. Et voici qu'un jour, j'ai un songe. Ou dans le songe, je vois une fille. C'était comme si elle et moi étaient ensemble. Et je voulais lui donner de l'argent pour qu'elle aille se faire leurs cheveux, genre pour qu'elle aille se rendre belle. Et je me suis levé le matin et moi, je cherchais à savoir ce que ça signifie. Le même jour là, le même matin là, net, je vois la fille là sur mon chemin. Et elle a carrément, elle s'est mise en position très sexy. Très très sexy. Et c'est presque même à moitié nu. Et puis, il y a une situation qui s'est créée. C'est-à-dire, les sorciers ont créé une situation où on était bloqué à un même point. On devait se regarder. On devait s'observer. On devait se voir. Je l'ai regardé. Je dis ça là. C'est trop beau pour être vrai. Comment tu penses à une go tout de suite et puis en même temps elle apparaît t'aimer alors que toi tu cherches à savoir si elle est une sorcière ou pas. Ça là, c'est un signe que ne trompez pas. C'est un signe que ne trompez pas. Donc elle s'habille de façon sexy, elle a fait tout ça là. C'est parce qu'elle voulait t'envoûter. C'est-à-dire elle voulait fermer tes yeux pour que tu n'aies pas le regard fixé vers son autre côté. Et son côté où tu te couvres par toi-même. Qu'elle est une sorcière. Quand elle est venue vers moi, la situation était créée. C'était une belle fille. Je ne pouvais pas résister. Donc, puisque je ne pouvais pas résister, et qu'il n'y avait pas de moyen de fuir, puisqu'il y avait un grand bus qui était devant moi, qui barrait mon passage. Donc, j'ai levé mes yeux vers le ciel. Et elle est passée un pas comme ça. Quand j'ai retourné ma tête pour voir si elle est vraiment passée, elle aussi a retourné sa tête pour que nos regards se croisent. Je dis, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Quand vous voyez ça, vous vous dites que oh non, c'est simple, c'est une coïncidence, c'est quoi? Mes frères et sœurs, la coïncidence n'existe plus dans cette planète-là. C'est terminé, il y a longtemps, c'est fini. C'est fini ça. Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Ce qui vient de se passer, c'est que quand je l'ai vu hier, que je l'ai apprécié, automatiquement, les démons lui ont dit qu'il y a quelqu'un qui t'a vu et qui t'a apprécié. Voici comment il est, voici qui il est, voici où il habite, voici ce qu'il gagne. Voici ce... En fait, ils lui ont tout dit sur moi. Du coup, la voix était libre pour elle pour pouvoir faire ce qu'elle avait envie de faire. Et elle a décidé de venir me séduire. Quand elle a fait ça, je suis resté calme. Je suis resté seul après. Après n'être seul. Quand je suis resté seul, c'est là que l'Esprit de Dieu est venu vers moi pour me dire que cette fille-là, tu as vu ce qu'elle vient de faire là. Sa simple présence, même si vous ne vous êtes pas encore dit bonjour, sa simple présence et sa pose, le fait qu'elle arrive à ce moment T où tu viens d'avoir un tel rêve, cela montre que elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire, il faut te méfier d'elle, sinon tu risques de tomber encore sur une autre sorcière. Et c'est là que j'aimerais vraiment attirer votre attention. Vous endormez, vous avez un rêve. Enfin, vous avez un songe. Vous voyez des choses que vous n'avez pas prévues. Et le matin, vous sortez. En même temps, vous avez l'impression que ce que vous avez eu en rêve en train de se réaliser. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les sorciers qui ont pris le contrôle de ces rêves-là et qui veulent être dans la révélation. C'est-à-dire qu'ils veulent faire semblant comme si ce que tu as vu là, c'est ce qui est en train de se réaliser. Alors que c'est le diable qui a créé juste un mouvement là. C'est lui qui a fait un scénario. Il a été de faire un jeu et tous ces sorciers sont en train de faire le jeu en même temps avec lui. Tout ça. C'est pour vous induire en erreur. Ne pensez pas que c'est ça. Par exemple, toi, tu cherches une femme. Tu peux même pour ça dire, hey, Dieu, aujourd'hui, c'est ça que j'ai gagné une femme sur mon chemin ou? En même temps, tu sors. Et que tu vois, une femme en même temps. Elle apparaît juste devant toi.
Et elle commence à faire de ces gestes bizarres. Quand tu vois la tienne, l'impression que c'est comme si elle était au courant que toi, tu allais sortir, tu allais passer à cet endroit aussi. Et puis, elle devait aussi se positionner là pour que tu puisses la voir. Si tu es concentré sur autre chose ou quelque chose d'autre et puis tu n'as pas vu alors qu'elle est sortie pour nous faire sa sorcellerie là devant toi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du bruit. Elle va faire un truc pour que juste tu puisses la regarder et savoir qu'elle est là pour faire sa sorcellerie là sur toi. Elle va commencer à te séduire. Elle va commencer à te faire des choses. Quand tu vas voir ça, tu vas dire, attends, qu'est-ce que c'est? Là, je te dis, il faut dire ceci. Il faut dire que c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Les sorciers sont vraiment de mauvaises personnes. Ce sont des gens mauvais. Ils sont très, très, très mauvais. Ils sont là, ils regardent les gens, ils sont dommages. Tout ce qu'ils voient pendant les sommets, là, et ils observent tout. Et ils viennent sur le terrain pour les tromper en leur faisant croire que c'est ce qu'ils viennent de voir dans leurs rêves là. C'est ça qui s'accomplit en même temps. Alors que c'est fou. C'est fou. Le diable sera toujours le premier à venir vers vous quand vous aurez besoin de quelque chose. Il sera la première personne à venir vous faire des propositions. C'est pourquoi je vous dis, ne sautez jamais sur la première personne venue. Ne sautez jamais sur la première personne venue. Et ne soyez pas distrait. Pour ne pas manquer les moindres détails qui vont vous permettre de savoir si une personne ou une autre personne est sorcière ou pas. Vous voyez ça? Et au final, je me rends compte aujourd'hui que, en fait, cette fille-là, elle était possédée. C'est un démon. C'est un démon que le diable a envoyé sur mon chemin pour me faire dévier du chemin de la gloire de Dieu. Mais elle a échoué. Quand une sorcière comme ça rentre dans votre vie, elle n'aura qu'un seul objectif, vous détruire par toutes les voies possibles. Elle ne fera que changer des idées chaque jour. Aujourd'hui, elle dit ceci. Demain, elle dit cela. Après, elle dit ça. Elle sera comme un opposant dans votre maison. Vous dites que vous voulez acheter une voiture. Elle dit qu'elle va acheter ses cheveux. Vous dites que vous voulez maintenant acheter ses cheveux. Elle va dire non, elle n'a plus besoin de ses cheveux, qu'elle a besoin maintenant d'habits. Vous-même, à un moment donné, vous avez posé la question ça, mais ah, quel est le problème avec cette fille-là? Est-ce qu'elle est normale? Ou bien elle a deux dans sa tête? Elle n'a pas deux dans sa tête. C'est une sorcière. Elle te montre des signes depuis longtemps, mais tu n'es pas au courant. Tu as laissé une go pour aller prendre une autre go, voyez que tu as tombé sur la bonne. Mais tu ne savais pas que elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Oui. Elles sont les mêmes. Juste l'erreur que tu fais, c'est que tu ne prends pas le temps de la connaître avant de t'engager. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et le truc avec les sorcières, c'est que quand vous rencontrez une jeune femme et elle est sorcière, et en plus d'être sorcière, elle n'a rien là. C'est-à-dire, elle se débrouille, elle compte sur votre poche pour vivre là. Quand vous rencontrez une telle fille, et puis vous, Dieu merci, vous avez un peu les moyens, vous voulez vraiment faire quelque chose pour elle, genre pour la faire sortir du tout, ce qui se passe, c'est que elle va non seulement bouffer votre argent, c'est-à-dire elle va vous sucer. Mais en plus de ça, elle va faire la sorcellerie derrière pour vous détruire. C'est-à-dire que non seulement elle sait qu'elle va bouffer votre argent, elle est là pour ça, non. Vous affaiblir financièrement, vous ruiner financièrement. Mais en plus de cela, elle va chercher à vous tuer. À vous tuer. Moi, un jour, j'ai rencontré une fille comme ça, j'ai dit, mais attends. Je peux comprendre que vous, les femmes, vous aimez l'argent. Mais je ne peux pas comprendre que vous êtes toutes des sorcières. C'est ça là que je ne pourrais pas comprendre.
Et aujourd'hui, moi quand je sors, j'arrive à voir qui est sorcier ou pas. C'est-à-dire que les jeunes femmes sorcières, tous, même les enfants, si y a sorcier, il y a sorcier, il y a sorcier, je peux les détecter en moins d'une minute aujourd'hui. C'est-à-dire mes performances ont décuplé, c'est monté. Pourquoi? C'est parce que les sorciers m'ont trop attaqué dans ma vie. Mais je suis sorti vainqueur grâce à Dieu. Grâce à Jésus. Dieu est fort. Dieu c'est un gars. C'est un vrai gars. C'est-à-dire que dès que la fille là, elle s'approche de moi, elle arrive, elle fait juste un petit geste. Même si elle dit un seul mot, je le saurai. Je saurai qu'elle est une sorcière. Elle est une sorcière. À ce niveau, il s'est arrivé là. Je n'ai plus besoin qu'une sorcière me dise qu'elle est une sorcière. Je n'ai plus besoin que une personne vienne parler et que quelque chose sorte de sa bouche afin que je sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai plus besoin qu'une personne fasse quoi que ce soit d'autre, quoi. Sa simple présence, au moment T, là où je suis, ça veut tout dire en même temps sur ce qu'elle est venue faire, qui l'a envoyée et pourquoi elle est là. C'est parce que rien n'arrive au hasard dans cette vie. Tout est préparé, tout est organisé, t'avances. Dieu lui m'a dit, je vous annonce d'avance ce qui doit arriver, en fait, ce qui va arriver. Donc, votre vie là, dans le Seigneur, est tracée. C'est un chemin déjà tracé. Et quand une personne vient sur votre chemin, c'est que cette personne-là vient en mission. Soit c'est pour vous arranger, ou bien c'est pour vous détruire. C'est ce qui se passe. La plupart des filles que vous voyez nombreuses derrière d'eux, elles sont là pour votre destruction. Surtout celles qui essaient de vous séduire. Surtout celles que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de monter les fesses, de monter les seins. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Sur les sites TikTok, on les voit. Et tout ce qu'elles vont faire là, c'est basé sur les fesses et les seins. Tant qu'elles n'ont pas monté fesses et seins dans les vidéos, elles ne sont pas tranquilles. Ces gens de personnes, ce sont vos ennemis. Ces personnes sont là pour une destruction. Toi, si tu veux réussir, si tu veux réussir, concentre-toi sur ta route. Concentre-toi sur ta route. Ne regarde pas là, ces gens de route là où tu vois les fesses, beaucoup de seins. Ne regarde pas là-bas. Concentre-toi sur ta route. Les gens vont vous dire que quand tu ne couches pas une fille, un mois, deux mois, trois mois, tu es malade. Ce sont les menteurs. Il ment aujourd'hui, il ment demain. Moi, je suis resté tranquille. Il n'y a eu, il n'y a rien eu. Aujourd'hui, quand je regarde à gauche et à droite par rapport à mes amis, tu vois que moi-même qui suis resté seul, je suis même frère. Frère. Frère, frère. Puisque eux. Là, il dit, ah. Donc, vous nous conseillez de coucher avec la fille, de faire deux coups, de faire trois coups. Tchaki, c'était pour nous affaiblir, pour nous enlever quelque chose, parce que sinon, si vous prenez pour gagner temps. Tu dis, ah, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est vraiment pas la peine. Tous ceux qui vous donnent des conseils de ces gens-là, ils sont là pour vous détruire. Tout ce qui les intéresse, c'est vous détruire et vous mettre dans la souffrance. Quand tu as cette une couleur, ils ne sont même pas prêts à envoyer savon pour toi. Ils ne sont pas prêts à se tenir alors qu'ils te conduisent dans les erreurs, ils te conduisent dans les problèmes. Donc vous, vraiment, soyez très, très, très vigilants. Comme je vous l'ai dit, rien ne vous arrive au hasard. Quand vous sortez, toute personne que vous rencontrez sur le chemin, toute personne avec qui vous allez parler ou faire quelque chose, quoi que ce soit, cette personne n'est pas là comme ça, comme ça. Vous devez poser la question de savoir, mais pourquoi cette personne est là ici et en ce moment précis là, devant moi? Qu'est-elle venue faire? Est-elle une sorcière? Est-ce que c'est une personne sorcière? Parce que si vous ne savez pas que c'est une personne sorcière, cette personne sorcière-là va recevoir une puissance venant
de plus de 10 000 sorciers qui sont en train de vous observer vous deux, à distance. Parce qu'il y a des caméras qui surveillent la sorcellerie. Et il y a des caméras de sorciers qui surveillent le monde pour voir tout ce qui se passe à n'importe quel endroit. Même dans votre chambre. Ils s'en foutent. Même dans votre douche. Ils sont là-bas. Ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte du tout. Ils ne sont que là pour détruire. Détruire même la vie des gens qu'ils ne connaissent pas. Avant, vous disiez, ah, ce sont les gens, ils attaquent, les sociaux attaquent seulement les gens de leur famille. Est-ce que vous êtes en train de dire non? Vous disiez que les sociaux attaquent seulement les gens de leur famille. Les sociaux attaquent seulement les gens de leur famille. Et non les gens d'autres familles. Vous mentez, ils attaquent tout le monde. Le monde est gâté déjà, c'est gâté. Quand on lance balle, ça touche tout le monde. C'est quoi ils sont devenus. On les appelle maintenant les balles perdues, les balles perdues. Les balles perdues. Donc réfléchissez bien, posez-vous toutes ces questions. Toute personne que vous allez voir à partir d'aujourd'hui, devant vous. Toute chose que vous allez voir à partir d'aujourd'hui, devant vous. Même si c'est une histoire de dire réunion de famille et tout le monde vous appelle. Si vous savez que vous avez regardé tous ces gens, vous avez vu que ces gens ne sont pas sur le bon chemin. Et que vous êtes sur le bon chemin. Et que eux vous demandent à ce que vous soyez présent dans ces réunions. Si vous pouvez dire que vous ne partez pas là. Ou bien vous, si vous voulez trouver une excuse pour ne pas partir, ne partez pas, c'est mieux. Parce que tout ce qu'on dit là-bas, il n'y a rien de bon. Tout ce qui intéresse, c'est comment ils vont faire pour vous lancer des flèches et vous mettre dans le problème. C'est la réalité qui est là. Are you understand? Qu'on ne vous ment pas, qu'on ne vous plaque pas. Les sorciers sont les mêmes. Si vous pensez qu'il y a des gentils sorciers, vous vous trompez. Maintenant, si une sorcière, une personne que vous avez identifiée comme une personne qui a un mauvais cœur, du jour au lendemain comme ça, se met à faire de bonnes actions, vous salue bien et tout ça, n'y croyez pas. N'y croyez pas. On ne change pas du jour au lendemain. Un sorcier, on ne peut pas le délivrer facilement. Non. Non. C'est trop facile. Ne vous laissez plus avoir. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus tromper. Et ce qui se passe, c'est vraiment terrible. Parce que les sorciers, vraiment, pour pouvoir vraiment tromper les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un groupe de sorciers gentils et un groupe de sorciers mauvais. Et ces sorciers gentils-là, vous allez les voir comme les bonnes personnes. Ce sont ces gens, les sorciers-là, que vous voyez sur les réseaux sociaux, en train de donner des conseils aux gens. Des conseils, puis, oh, voici comment il faut être sain, voici comment tu dois faire pour ne plus te masturber, voici comment tu peux arriver à rester seul sans coucher avec une personne sans être marié, voici comment. Ils sont tout le temps là sur les réseaux sociaux de donner des conseils. Toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux vous donner des conseils. Il y a beaucoup de sorciers gentils dedans. C'est-à-dire des gens qui sont des sorciers, c'est-à-dire qui font du mal, qui tuent même. Mais qui se font passer pour des bonnes personnes, des personnes qui donnent des conseils, des personnes qui font comme ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Même il y a plein de sorciers sur les réseaux sociaux qui dénoncent tout sorcier. Il y a même plein de pasteurs sorciers qui dénoncent tout sorcier. Et entre eux, les pasteurs, ils font des complots pour s'attaquer. Un pasteur ici attaque un autre pasteur là-bas pour créer la confusion chez vous. J'ai vu ça même hier. J'ai un soi-disant homme qui dit que lui est un prophète. Il se lève un bon matin, il dit à l'église que voici des pasteurs ont choisi de payer une femme afin que cette femme puisse dire que tout ce qu'il lui a donné comme prophétie, ce n'est pas vrai. Et il commence à dire, je ne connais pas le numéro de ces personnes, de ces pasteurs qui se sont réunis pour pouvoir chercher à corrompre cette femme. Mais ici, là, j'ai le numéro. Dieu va me donner son numéro. Je ne connais pas son numéro physiquement, mais Dieu va me dire. Et il commence à faire des rires. Bah, 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 bouh, bouh. Et puis il dit 01, oui, bah, 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 02, ah, 03, jusqu'à ce qu'on appelle le monsieur devant tout le monde. Et le monsieur décroche. Il pose la question, est-ce que tu es monsieur X? Il dit, oui, c'est moi, monsieur X. Effectivement, je suis le pasteur X. Et puis, tout le monde acclame dans la salle. Wow, le pasteur a donné le numéro des autres pasteurs qui complotent contre lui en secret. Et tout le monde crie. Et tout le monde en joie. Et les deux maintenant vont parler.
Il va dire à ce pasteur-là. Donc, c'est toi et ton groupe qui avez dit que je suis un faux pasteur, que j'ai menti dans cette révélation. Vous avez décidé de payer cette femme pour venir mentir sur moi, non? Et puis, lui, tu vas dire, non, pasteur, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant, ce sont eux qui ont fait. Et puis, les gens sont dans la salle. Ouh, on a dit que, regardez, ce pasteur-là, il attrape même à distance. En fait, il attrape même à distance les gens qui veulent comploter contre lui. Et regardez ce qu'il a fait. Après leur causerie, le monsieur, le pasteur au téléphone va raccrocher. Et puis il va dire, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et puis il va dire, écoutez, il va finir par rappeler pour me demander pardon. Il va finir par rappeler pour me demander pardon ici. Vous allez voir. Et tout à coup, quelques temps après, le gars il rappelle. Et puis il commence à dire, pasteur, pardonne-moi, que ton Dieu me pardonne. Que ton Dieu me pardonne, oh, que ton Dieu me pardonne. Et puis les gens de la salle sont là. Ouh! Ouh. Il dit ouais. Vraiment, le diable, tu es vaincu. Moi, dans la sorcellerie, les gens m'ont attaqué. Les sorciers m'ont attaqué. Ils sont organisés pour m'attaquer. Dès que le premier sorcier est venu sur le terrain pour me parler et qu'il est passé, ça n'a pas duré. Le sorcier a appelé immédiatement. Boum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont interconnectés. Ils se connaissent. Un sorcier peut vous attaquer, bam. Et l'autre peut vous appeler derrière, boum. Tout organisé. C'est ce qu'on appelle un complot. C'est un complot vraiment terrible. Un complot vraiment sérieux. Pour tromper ceux qui ne connaissent pas. Il dit quoi? Il dit qu'il connaît le numéro. Il dit quoi? Il dit qu'il ne connaissait pas le numéro. Et qu'il va faire rire, il va prier, et puis Dieu va lui donner le numéro. Mon frère, il peut connaître le numéro et puis mentir. Les pasteurs sorciers sont des menteurs. Mentir, c'est comme de l'eau à boire pour eux. Ils sont menteurs. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Mais nous, on n'est pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Mais nous, on n'est pas comme eux. 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 Mais nous, on n'est pas comme eux. Ne soyez pas comme eux. Hein? Et sortez du milieu d'eux. Il y en a plein de ces églises ici, dans ce pays, dans ce monde. Beaucoup de fous, de fous, de fous, de fous, de fous, de fous. La sorcellerie. La sorcellerie peut donner des révélations aux gens. La sorcellerie peut prophétiser. Et tout organiser. C'est-à-dire, un sorcier peut savoir qui tu es, quel est ton nom, qu'est-ce que tu disais dans ton cœur, quelle est ta nourriture préférée, qu'est-ce que tu penses. C'est face à ça, c'est un jeu d'enfant même. Donc, ça ne vous étonne plus, c'est bien des choses. Ils sont tous les mêmes, tous les sorciers. Un sorcier a un pouvoir, même des pouvoirs. Mais ces pouvoirs ne sont que là pour détruire. Si ça doit arranger quelqu'un, c'est lui-même ça l'a arrangé. Parce qu'il aime bien faire du mal aux gens. Faire du mal aux gens, ça lui fait du bien. C'est ça qu'un sorcier. Ils sont tous les mêmes. Vous voyez un pasteur devant vous. Il prêche bien. Il parle bien. Il ne parle pas beaucoup. Fermez vos yeux. Parce que quand les yeux sont ouverts, là, l'œil se laisse corrompt facilement, il se laisse séduire facilement. Donc fermez vos yeux comme ça. Et puis posez-vous de vraies questions. Vous allez avoir les vraies réponses. Et ne soyez pas pressé. Attendez un peu seulement. Et analysez-le, étudiez-le, élément par élément. Les yeux sur les yeux, vous allez finir par découvrir ce que vous allez découvrir. C'est-à-dire que là, 24 heures sur 24, vous devez rester concentré. Parce que les sorciers sont nombreux dans ce monde et ils sont derrière vous. S'il n'y a pas de sorciers derrière vous, c'est que le diable est derrière vous. Si le diable n'est pas derrière vous, c'est que ces démons sont derrière vous. Si ces démons ne sont pas derrière vous, c'est que les anges de Dieu sont là. Mais le combat est là. Vous allez sentir pourquoi. Il y a la main gauche et puis il y a la main droite, la main ici. Vous allez comprendre pourquoi. Vous vous baladez avec votre main gauche et votre main droite en même temps. Mes frères et sœurs, ne soyez plus distraits.
ne serez vraiment plus distrait. Les sorciers sont les mêmes. Arrêtez de vous confier aux gens. Les sorciers sont les mêmes. Si tu dis que oh, telle personne t'a fait du mal, tu vas aller voir une autre personne pour que cette personne puisse vraiment te consoler. Tu te trompes, tu te fatigues. Aujourd'hui, là, moi, je veux faire en sorte que vous découvriez la vérité. Parce que les sorciers, je le vois chaque jour et je vois tout ce qu'ils font. Dès que Dieu m'explique, il vient, il pose ma caméra et puis je vous dis tout. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous à Dieu la poche parce que la bourrée chose qu'on sortit bientôt. En fait, bon, dans peu de temps, puisqu'il n'y a plus le temps, ne soyez pas distrait. Ça, c'est le conseil que j'aimerais vous donner. Ne soyez plus distrait du tout. Analysez chaque action posée par les gens autour de vous. Ne vous engagez pas dans les relations à l'aveuglette. Étudiez les gens à distance. Ne couchez pas avec n'importe quelle fille. Tu n'as rien de vous transmettre le venin du diable. Faites attention. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Application sur Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.